la volonté de travailler au Gabon. Le travail est le meilleur ami de l'homme. C'est une phrase que j'ai souvent entendue en grandissant. Certains la justifient en fonction de leur réalité. Je voudrais parler avec vous de la question du travail dans notre pays. Dans la précipitation, sans trop réfléchir, je commencerai par dire que chez nous, le travail est un luxe. Dans ce temps qui est le nôtre, bien sûr. Oui, je le pense sincèrement. Et si le changement ou l'évolution d'un pays passe par les mentalités, alors je réalise que nous avons encore du chemin. Chers Gabonais, chères Gabonaises, nos dirigeants nous ont longtemps fait croire que pour réussir au Gabon, il fallait être au sortir de l'école, admis dans une administration ou recruté dans une structure où l'on nous donnerait un bureau. De telle sorte que nous avons ignoré la valeur du travail de l'homme. En fait, on nous a appris à chercher un emploi ou un poste et non à se créer du travail. On nous a appris à être demandeurs et non pas créateurs d'emplois. On nous a formés au salaire et pas à la dividende. Aujourd'hui, le constat est amer. Les administrations sont pleines de personnes oisives qui s'attachent à étoffer leur portefeuille amical plutôt qu'à perfectionner leurs connaissances. Le chômage bat son plein. La jeunesse crie à l'aide et les vieux bureaucrates se plaignent sur des sièges qu'ils auraient dû céder il y a belle lurette, mais qu'ils s'obstinent égoïstement à chauffer. Avoir du travail, expression courante, reste un véritable défi chez nous. Dit comme ça, c'est bien. Mais devons-nous chercher le travail dans un pays comme le nôtre ? Qui pourtant est en pleine construction. Le Gabon est plein d'opportunités, mais les secteurs qui emploient le sont plus entre les mains des expatriés. N'est-il pas temps de revoir nos priorités, ainsi que notre politique de développement, avant d'accuser les autres? Un auteur disait, je cite, « Le travail, même s'il ne réussit pas à sortir l'homme de sa misère, lui garantit au moins sa dignité. » Je cite ici Amadou Koné, dans les frasques des Binto, ouvrage lu par nos enfants au collège. Qu'enseignons-nous en vrai à nos enfants? Beaucoup de jeunes gens se sont levés pour entreprendre depuis quelques années. Mais se sent-il libre et encouragé? Se sent-il accompagné? Ou plutôt sont-ils négligés, surtaxés et même abusés? Je veux encourager quelqu'un aujourd'hui et lui rappeler que la seule limite à la hauteur de vos ambitions est la portée de vos rêves et votre volonté de travailler dur pour les réaliser. C'est Michelle Obama qui nous a dit cela. Revoyons notre politique, revisitons nos pratiques et ensemble, construisons notre Gabon. Je suis Mike Joktan, j'ai un autre regard sur le Gabon. Que Dieu bénisse le Gabon.